Bonjour ami poisson, ascendant poisson, donc je vous retrouve pour votre oracle de Béline concernant le mois de septembre 2023. Je vais effectuer un tirage plus général pour voir de quel domaine veut vous parler, vous conseiller l'oracle. On y va, poisson, septembre 2023, ascendant poisson. Alors, donc on a peut-être un coup de cœur, un coup de foudre pour certains qui entraîne un changement. Voilà, on va voir la suite. Ça semble parler davantage d'amour. Ça peut être également que vous allez vous emballer pour quelque chose, une activité. Mais là, ça parle plus d'amour, je pense. On va voir le tirage. Poisson, septembre 2023. Alors, contrat, cadeau. Alors, amélioration par rapport. Alors, je vais revenir. Hein, là, je m'harmonne dans mes dents. C'est ce que je suis en train de voir, ce que ça veut dire. Par rapport, ok, d'accord. C'est pour savoir si j'en retire ou pas. Ok, bah oui, oui, non, mais c'est super. Bon, mais c'est bon, j'ai pas besoin d'en retirer plus. Alors, du coup, ce dont ça parle. Donc, on avait parlé d'un nouveau cycle, d'un coup de foudre, d'une bonne nouvelle en tout cas. Ici, j'ai plutôt en effet un changement favorable qui vous arrive à partir du mois de septembre. Donc, on dirait que il y a peut-être un engagement affectif ou un engagement professionnel. Quelqu'un dans votre famille aussi, ça peut ne pas être vous, mais quelqu'un dans votre famille, dans votre foyer, qui va avoir une excellente nouvelle. Et normalement, c'est une nouvelle plutôt qui va épanouir tout le monde dans la famille. Donc, je pense que c'est quand même lié aussi aux finances et qui va éviter qui va sortir un petit peu le foyer de certains doutes, qui va sortir le foyer de certaines difficultés. Et le mois de septembre, donc, annonce au poisson, pour sa famille, pour lui-même et pour sa famille également, eh bien, une mise en valeur et le succès, une reconnaissance des qualités, une grande satisfaction, voilà, personnelle. Donc, c'est un peu vague au niveau du... moi, j'ai l'impression, j'essaie de savoir un petit peu de quel domaine il s'agit, mais vous voyez, j'ai vraiment la paix. Moi, tout simplement, le message, il est que par rapport à des responsabilités, des engagements que vous avez pu prendre, par rapport à un contrat professionnel aussi, ou un contrat financier, il y a une très bonne nouvelle qui arrive et un changement. Et peut-être qu'il y avait des difficultés pour équilibrer une situation familiale. Et dans ce cas-là, eh bien, la bonne nouvelle de quelqu'un de la famille ou de vous-même indique que vous allez vraiment connaître un plein épanouissement de votre situation. Et donc, si vous êtes seul, eh bien, ça parle aussi, comme vous avez pu le comprendre, d'une bonne nouvelle, hein, professionnelle ou financière pour votre habitat. Et vous allez vraiment être soulagé et mis en valeur, mis en valeur. En tout cas, belle rentrée 2023.